Oh Sophie, je t'admire, tu es infatigable. Pourquoi, pour cette petite promenade? Oui, moi je suis épuisée. Oh. Veux-tu que nous allions prendre le thé quelque part? Oh non, il est déjà très tard et je ne veux pas rentrer après Bertrand. Oh, Laurence, on ne dirait pas qu'il y a 12 ans que tu es mariée. Mais il n'y a pas 12 ans, voyons. 10 dans 2 jours. J'espère que Bertrand va te faire un beau cadeau. Oh, Laurence! Laurence! Tiens, quelqu'un t'appelle. Penses-tu? Laurence! Laurence! Si, tiens, regarde, cet homme là-bas te fait signe. Mais je ne l'ai jamais vu. Allons, allons, tu connais ce garçon, mais tu ne veux pas que je le rencontre. Mais ne t'inquiète pas, je vais te laisser. Mais non, reste, tu verras bien que tu te trompes. Oh, Laurence, quelle surprise! Je suis content de vous voir. Mais vous faites erreur, monsieur. Mais vous plaisantez, Laurence. Ce monsieur connaît ton prénom, pourtant. Oh, que tu es naïve, il a dû nous écouter. Maintenant, il se sert de ce qu'il a entendu. Voyons, c'est le coup classique. Oh, moi, je viens de traverser la rue à la seconde et vous savez très bien que je ne vous ai pas suivi. Ah, ça c'est vrai, Laurence. Non, mais de toute manière, vous perdez votre temps. Enfin. Écoutez, n'insistez pas, vous voyez bien que ça ne prend pas. Mais vous m'ébrenez. En vous voyant, je n'ai pas hésité un seul instant et je suis toujours convaincu que nous nous connaissons. Et où m'auriez-vous rencontré? Mais à Château-Renard. À Château-Renard? Ah, vous voyez que vous commencez à vous en souvenir. Non, absolument pas. Mais comment? Voyons, c'est moi, Richard. Tu as peut-être oublié, Laurence. On ne peut pas se rappeler tous les gens que l'on a rencontrés. Mais pourtant, nous nous sommes vus tous les jours pendant des semaines. Je venais vous tenir compagnie. Mais jamais! Et je vous jouais du piano. Vos musiciens préférés, Mendelssohn, Prokofiev, Satie. Ah, ça, c'est vrai que tu les aimes. Mais enfin, tout ça est ridicule. Enfin, qui ne les aime pas? Oh, là, tu exagères. Ce sont des choses que l'on ne peut pas deviner. Et parfois, nous allions en voiture à la fontaine de Vaucluse. Tu m'as d'ailleurs souvent parlé de cet endroit. Oui, et alors? Mais oui, et au retour, nous nous arrêtions en gorge de Régalon. Parce que personne n'y allait. Mais... Enfin, pourquoi ne voulez-vous plus me parler? Mais parce que je ne vous connais pas. Mais enfin... Que dois-je faire? Que dois-je dire pour vous convaincre? Rien. Et j'en suis désolée. Adieu, monsieur. Laurence, il doit bien y avoir une explication quand même. Tu as peut-être oublié. Oh, ne me parle pas de ma mémoire. Mais s'il disait vrai... Impossible. Ah, j'y pense. Il y a un souvenir que vous vous rappellerez certainement. J'aimerais savoir lequel. Je crains qu'il ne vous soit pas très agréable. Dites-le toujours. Pierre Lagagne. Ce nom ne vous dit rien? Non, laissez-moi, je ne veux pas vous écouter une minute de plus. Ah, comme vous voulez, mais il faut que je vous prévienne. Pierre Lagagne est revenu. Et il vous cherche. Au revoir, Laurence. Ça alors? Enfin, c'est un fou. Crois-tu vraiment? Mais bien sûr. Il y a quelque chose qui m'intrigue. Comment cet homme en sait-il autant sur toi s'il ne te connaît pas? Mais il n'a dit que des choses fausses. Qu'une, au contraire. Tu as vécu à Château-Renard, non? Oui. Enfin, très peu de temps. Tout un hiver, si ma mémoire est bonne. Et la mienne l'est. Et puis tu m'avais bien parlé d'un de tes amis qui jouait du piano pour toi. Enfin, son nom n'était-il pas Richard? C'est toi, Laurence? Oui, mon chéri. Mais quelle tête tu as? Qu'est-ce qui t'arrive? Oh, mais rien, je t'assure. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Je t'avais dit que je sortais avec Sophie. Tu ne t'es pas disputée avec elle, au moins? Oui, non. Nous avons beaucoup marché, j'ai dû me fatiguer. Et toi, Bertrand, ça va? Oh non, moi, je suis furieux. Le patron devait dîner avec des clients. Au dernier moment, il a un empêchement et c'est moi qui suis de corvée. Oh non, ne sors pas, non, reste avec moi, je t'en prie. Mais ma chérie, c'est impossible. Oh, pour une fois, je te demande quelque chose. Il faut que je rende ce service au patron, comprends-le. Mais dis-toi qu'après-demain, nous irons en amoureux fêter notre anniversaire de mariage. Oui, mais ce soir, j'ai si peu. Écoute, pas d'enfantillage, Laurence, je suis déjà en retard. Allez, à tout à l'heure. Non, je ne veux pas rester seule. Eh bien, téléphone à Sophie, elle ne demandera pas mieux de venir. Tu as raison. Au revoir. Au revoir, chérie. Allô, Sophie? Oui, c'est moi.
Écoute, Bertrand sort des clients, j'ai pas envie de rester seule. Viens dîner avec moi, tout est prêt. Merci, tu es gentil. Oui, à tout de suite. Tiens. C'est toi, tête Bertrand, il a dû oublier quelque chose. Vous ? Excusez-moi, Laurence, mais il fallait que je vous parle. Je ne vous connais pas, je ne veux plus vous voir. Et partez. Partez ou j'appelle la police. Vous avez tout intérêt à m'écouter. Je vous en prie. Bon. Alors réglons cette affaire une fois pour toutes. D'abord, comment avez-vous eu mon adresse ? Je vous ai suivi, c'est tout. Allez, maintenant que nous sommes seuls, avouez que vous m'avez reconnu. Je vous jure que non. Pourtant, vous avez sursauté quand j'ai parlé de Château-Renard. Mais c'est vrai, j'y suis allée. Ah, enfin ! J'y ai même passé tout un hiver. Je sais, vous étiez en convalescence. Qui vous l'a dit ? Mais vous-même ? Comment ? Et c'était après votre accident de voiture. Le médecin vous avait recommandé beaucoup de repos, car vous étiez très affaibli. En tout cas, pas au point de perdre la mémoire. Ça, c'est une autre histoire. Puis de toute façon, quand je suis arrivée là-bas, j'étais presque guérie. Vous aviez subi un choc considérable et vous étiez encore si faible que vous n'aviez même pas l'autorisation de jouer du piano. Mais oui, mais c'était à cause de... votre poignet fracturé, oui, je sais. Alors, je jouais pour vous. Non, ça c'est faux. Je ne vous ai jamais vu. Mais enfin, vous reconnaissez que quelqu'un jouait du piano pour vous aider à tuer le temps. Oui. Et que cet homme s'appelait Richard. Peut-être. Comment peut-être ? Quel était son nom ? Oh non. Non, ça c'est trop simple. Mais je vais vous le dire, Richard Moreau. Mon Dieu. Et, je dois bien avoir une carte. Hein, tenez, regardez. Richard Moreau. Vous voyez ? Et à l'époque, vous m'aviez parlé de Pierre Lagagne. Oui, mais vous ne m'aviez pas dit toute la vérité à son sujet. Oh, il avait peut-être eu des torts, mais vous aussi ? Absolument pas. Ah, vous ne niez plus l'avoir connu ? Non, mais je veux l'oublier. Des remords ? Mais non, bien entendu, il n'y a aucune raison. En tout cas, il veut se venger maintenant. Mais de quoi ? Bah, je ne sais pas tout, malheureusement. Dites plutôt que vous ne savez rien et que vous inventez. Mais pas du tout, j'ai appris que la gang était de retour en France et qu'il ne vous pardonnait pas toutes ces années perdues à cause de vous. Mais je ne sais même pas ce qui lui est arrivé. Mais bien pourtant, il vous cherche. Voyez-vous, Laurence, j'ai toujours eu beaucoup de tendresse pour vous et je voudrais vous aider. Vous feriez mieux de partir. Si vous voulez, mais je vous donne un dernier renseignement. La gang ne sait pas le nom de votre mari. Pour lui, vous êtes toujours Laurence Calliope. Comment dites-vous ? Laurence Calliope. Et ne me dites pas que ce n'est pas votre nom de jeune fille. Mais ce ne l'est pas ! Je peux vous le prouver ! Mon Dieu, mais... où est-il ? Que cherchez-vous ? Mon livret de famille. Mais ne vous entêtez pas, vous êtes Laurence Calliope. Mais non, ce n'est pas vrai, voyons. Mon nom de jeune fille, c'est Kerven. Mais... enfin, pourtant, celle que j'ai connue avait votre visage et votre voix. Mais elle s'appelait Calliope et non Kerven. Et je suis sûr qu'à Château-Renard, vous habitiez, comme elle, le dernier mas à droite, en direction de Nove. Oui, mais... chez une vieille femme qui prenait des pensionnaires depuis la mort de son mari. Oh, je ne comprends plus. Oh, c'est affreux. Non, écoutez, il s'agit sûrement de quelqu'un qui me ressemble. Oui, et qui, au même moment, dans la même maison, avec les mêmes personnes, aurait agi de la même manière que vous. Mais c'est pas plausible, voyons. Mais enfin, je vous jure que je vous dis la vérité, je vous le jure. Allons, allons, ne niez pas l'évidence. Oh, excusez-moi. Oh, en définitive, j'ai pris un taxi, ça m'a permis de gagner une demi-heure. Oh, excuse-moi, je ne savais pas que tu avais du monde. J'allais partir. Je regrette de vous avoir dérangé. Oh non, mais pas du tout, tu ne comprends pas. Mais je comprends que vous vous connaissiez déjà. Mais non, monsieur est revenu pour tirer cette affaire au clair, c'est tout. Ne te moque pas de moi, veux-tu ? Je vous laisse. Au revoir, madame. Au revoir, monsieur. Au revoir, Laurence. Et faites attention, la gang est dangereuse. Oh, c'est pas gentil, Laurence, de m'avoir menti à moi, ta meilleure amie. Tu aurais pu avoir confiance, je n'aurais rien dit à Bertrand. Mais je n'ai rien à me reprocher, rien, rien. Bonjour Bertrand. Bonjour Sophie. Laurence n'est pas là? Oh, elle va sûrement revenir d'une minute à l'autre et moi-même je rentre à la seconde. Ah. Voulez-vous un whisky en attendant? Oh, avec plaisir.
Je suis sûre qu'elle va être contente de me voir. Oh, je n'en doute pas. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Mais lorsqu'elle est venue chez moi tôt ce matin, elle a perdu son bracelet en or et je le lui rapporte. Non, mais j'espère qu'elle ne s'en est pas encore aperçue. Et c'est peut-être pour ça qu'elle n'est pas là. Elle est partie à sa recherche. Oh non, elle vous aurait téléphoné d'abord. Oh, ça. On ne sait jamais. Oui, il est vrai que ces temps-ci, elle est un peu bizarre. La fatigue, peut-être. Oh, peut-être. Tiens, vous n'avez pas l'air convaincu. Entre nous, Sophie, j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose et que vous êtes au courant. Mais pas du tout. Vous rêvez. Oh, tenez. Donnez-moi plutôt à boire. Voilà. Merci. Bon, je vais chercher des olives. Ah, tiens. Un mot de Laurence. Oui, mon chéri, j'ai reçu un coup de fil de maman qui est souffrante. Rien de bien grave, mais tu la connais, elle s'épouvante pour peu de choses. Je pars pour le Havre et rentrerai demain dans la journée, je t'embrasse. Ça m'ennuie de ne pas l'avoir vue. Quand elle va s'apercevoir qu'elle a perdu son bracelet, elle va être affolée. Mais ça, je le crains. Écoutez, il faut l'avertir qu'il est retrouvé. Je vais lui envoyer un télégramme. Oui, c'est une bonne idée. Ou plutôt, non, tenez, téléphonons à sa mère, comme ça, dès son arrivée, elle sera rassurée. Oui, vous avez raison. Allô? Allô, mère? Oui, c'est Bertrand. Comment allez-vous? Très bien. Mais, non, je ne comprends pas. Laurence croit que vous êtes souffrante. Eh oui, tant mieux. Ah non, je ne peux pas vous la passer, elle n'est pas rentrée. Mais entendu, je lui dirai. Non, rien de spécial, je voulais seulement avoir de vos nouvelles. Voilà. C'est ça, à bientôt. Au revoir, mère. Vous avez entendu? Écoutez, Bertrand, je ne voulais rien vous dire, mais je crois que mon devoir est que vous sachiez la vérité. J'ai l'impression que Laurence a des ennuis. Oui. Son passé, avant son mariage, bien entendu. Mais tout de même... Mais tout de même quoi, enfin parler? Hier, nous avons rencontré un de ses anciens amis, mais elle a fait semblant de ne pas le reconnaître. Et alors? Il lui a dit de se méfier de quelqu'un dont je ne me rappelle plus le nom. Mais alors, elle est peut-être en danger. Alors, je vais prévenir la police. Non, arrêtez, Bertrand. Réfléchissez un instant. Vous ne savez pas tout du passé de Laurence. Il est peut-être préférable de ne pas mêler la police à ces histoires. Mais ce que j'en dis, c'est dans son intérêt. Laurence, quelle surprise! Ah ben si je m'attendais à te revoir ici, en Avignon. Eh ben tu ne dis rien. Laissez-moi. Mais enfin, Laurence, c'est moi! Yvette! Yvette Parmon! Enfin, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu es toute pâle. Vous faites erreur, madame. Mais enfin, Laurence! Mais vous vous trompez, je ne vous connais pas. Ah ben ça, je n'en reviens pas. Ah, c'est extraordinaire. Vous ressemblez tellement à une de mes amies. Même votre voix qui est pareille. Enfin, je suis désolée. Au revoir, madame. Oh non, ne partez pas. Qu'y a-t-il? Enfin, si vous avez 5 minutes, j'aimerais parler avec vous. Mais c'est que j'ai des courses à faire. Oh, je vous en prie, c'est très important pour moi. Enfin, si ce n'est pas trop long. Voici. Oh, je ne sais pas comment vous expliquer. Oh, j'aimerais que vous me parliez de votre amie. Oh, c'est que c'est très délicat. Oh, je vous en prie. Avec moi, elle a été très généreuse quand j'ai eu des ennuis d'argent. Ça, je ne l'oublierai jamais. Mais avec d'autres, ça a été bien différent. Avec qui, par exemple? Vous ne le connaissez pas. Mais j'ai peut-être entendu parler de ces relations. Prenons Pierre Lagagne. Oui, ce nom ne vous dit rien, bien entendu. Eh bien, Pierre s'est ruiné pour elle. Il en était fou. Un jour, il a même volé pour se refaire au jeu. Il a tout perdu. Il a eu la faiblesse de croire qu'elle lui avancerait ce qu'il devait remettre dans la caisse de son patron.
Et elle a refusé? Oh, si ce n'était que cela. Mais qu'a-t-elle donc fait? Elle l'a dénoncé. Il a fait de la prison. Où vit-il maintenant? Je ne sais pas. Il est passé à Châteaurenard il y a quelques jours, mais je crois qu'il est reparti. Châteaurenard, c'est un petit pays à côté d'ici. Oui, je connais, j'y ai séjourné. Ah! Laurence, tu t'es trahie. Je savais bien que c'était toi. Tu n'as pas honte d'employer de tels moyens pour me faire parler? Mais je ne me suis pas trahie. J'ai bien habité Châteaurenard, je ne me cache pas. Je n'ai rien fait de ce dont on m'accuse. Je ne suis pas Laurence Calliope, car c'est bien le nom de votre ami, n'est-ce pas? Oui, mais c'est le tien aussi. Non, décidément, il n'y a rien à faire pour vous convaincre. Non. Mais de toute façon, tu devrais te cacher pour que la gagne ne te retrouve pas. Bertrand, mon chéri, je suis si heureuse d'être de retour. Ton voyage s'est bien passé? Oui. Tu sais, si j'avais su, je ne serais pas allée au Havre, maman n'a rien. Enfin, c'est un peu rhume. Vraiment? Oui. Mais depuis quelque temps, elle s'inquiète pour peu de choses. Tu n'as pas remarqué? Non, pas spécialement. Il m'a dit de t'embrasser. Bon, alors il serait peut-être gentil que je lui mette un mot. Oh non. Hein, pourquoi? Parce que ça... Enfin, ça risquerait de l'inquiéter. Eh bien, ce que nous pouvons faire, c'est aller la voir dimanche prochain. Oui, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que j'ai invité des amis. Ah, tu ne m'en avais pas parlé. Si, il y aura Sophie, il y aura... À propos de Sophie, tiens, elle t'a rapporté ton bracelet. Quel bracelet? Et ton bracelet en or. Tu ne t'es pas aperçu que tu l'avais perdu? Ah non. Non, j'étais tellement fatiguée que... Mais tu n'es pas souffrante, au moins. Oh, non, non, je suis en pleine forme. Bon, alors, où allons-nous ce soir pour notre anniversaire de mariage? On pourrait pas remettre ça un autre jour? Écoute, je ne te comprends pas. Tu n'as pas d'ennui. Oh, mais non, tout va très bien. Je n'ai pas cette impression. Mais dis-moi tout de suite que je mens. Écoute, Laurence, tu ferais mieux de ne pas aborder ce sujet. Pourquoi? Parce que j'aimerais justement que tu sois franche avec moi. Mais je le suis. Bon, eh bien, si tu n'as que cela à me dire, je vais dans mon bureau. Oh, Sophie! Oh, que je suis heureuse de te voir. Bonjour, Laurence. Alors, quoi de neuf? Viens, j'étais chez ma mère au Havre. Non, 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 non. Non, je t'en prie. Pas à moi. Mais si, je t'assure. Non, écoute, n'insiste pas, ton mari a téléphoné devant moi à ta mère. Oh, mon Dieu. Eh oui. Il sait que tu as fait une fugue. Oh, ce n'était pas une fugue, crois-moi. Oh, appelle ça comme tu veux, mais il le sait. Je comprends maintenant la sortie qu'il vient de me faire. Mais toi, à sa place. Tu as encore de la chance d'avoir un mari comme lui. Oh, mais qu'est-ce que je vais faire? Écoute, je peux t'aider si tu veux. Mais d'abord, raconte-moi ce qui s'est passé. Où étais-tu? À Châteaurenard. Ah, pourquoi? Pour essayer de me renseigner. Pourquoi n'en as-tu pas parlé à ton mari? Oh, mais peu importe. Oh, tu n'as pas confiance en moi. Je te jure que ça restera entre nous. Je n'ai jamais dit à Bertrand que... Enfin, que j'avais été fiancée avec Pierre Lagagne autrefois. Entre nous, Laurence, tu as bien causé du tort à la gang, jadis. Absolument pas. Écoute, je ne voudrais pas te fâcher, mais... Quoi donc? Ton accident, il a été très grave? Oui, très. Et il a pu te donner des troubles de mémoire? Je m'en serais aperçue. Ben, à ta place, je tâcherai quand même d'avoir une certitude. Je verrai plus tard, car maintenant j'ai quelque chose de plus important à faire. Allez trouver Bertrand. Laurence. Oui. C'est pour toi. Pierre Lagagne. Ah, Bertrand, je suis heureuse de vous voir seule. Je crois que vous avez quelques ennuis en ce moment. Mais non, Sophie. Oh. Voyons, Bertrand, j'étais là quand vous avez appris que Laurence n'était pas allée voir sa mère. Mais ce n'était qu'un malentendu. Ah bon, tant mieux. Mais comment vous a-t-elle expliqué les visites de cet homme qui vient la relancer jusqu'ici? Il la prend pour quelqu'un d'autre. Une confusion stupide et tout ça sans importance, j'en suis sûr. Oui. Vous me connaissez, mon petit Bertrand. Je ne veux pas me mêler de ce qui ne me regarde pas. Mais je crains qu'il ne s'agisse au contraire d'une affaire très grave. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Ah, c'est délicat.
Laurence est ma meilleure amie, je ne voudrais pas avoir l'air de répéter des propos malveillants. De quoi s'agit-il? Bon, alors, si vous insistez, je vais tout vous raconter. Un homme a téléphoné chez moi ces jours-ci pour me dire de me méfier de Laurence. Et il m'a donné des détails sur son passé, des détails que je n'oserais jamais répéter. Des mensonges, oui. Oh, évidemment, ça arrangerait tout. Alors, si je peux vous aider... Vous savez que j'ai toujours eu beaucoup d'amitié pour vous. Et nous nous connaissons depuis si longtemps. Oui, c'est vrai. Vous n'aviez pas encore rencontré Laurence à l'époque. C'est peut-être pour cela que je vous comprenais si bien. Oui, sans doute. Tout de même, il faudrait que nous ayons des précisions sur le passé de Laurence. Voyons, les gens qu'elle connaissait avant votre mariage. Je n'en ai jamais rencontré. Ah, vous non plus? Non. Oh, je ne croyais pas qu'elle vous les avait cachés à vous. Oh, c'est pas ça. Non, elle avait peu de relations, elle était si timide. Ah, oui. Autre chose, comment l'avez-vous rencontrée? Mais vous le savez bien, enfin, d'une façon amusante. Elle s'est précipitée dans ma voiture croyant que c'était un taxi. Ah, c'est peu dans son caractère, ça. Donnez-moi des détails. Sophie, tout ça n'a aucun rapport avec ce qui se passe actuellement. Oui, j'en suis persuadée, mais il faut tout faire pour que les ennuis de Laurence cessent. Alors, le moindre détail peut avoir de l'importance. Alors, je vous en prie, répondez-moi. Soit. Je passais mes vacances à Nice. J'étais au volant, arrêté à un feu rouge. Une jeune fille est arrivée en courant, elle s'est engouffrée dans ma voiture et m'a lancé l'adresse de son hôtel. Oui, effectivement, il me semble bien qu'il n'y ait aucun indice qui puisse nous intéresser. Ouais. Quoique... Pardon? Eh ben, le fait que Laurence court comme ça en pleine ville, vous a-t-elle expliqué pourquoi elle était si pressée? Elle voulait prendre ses affaires pour aller se baigner avant le déjeuner, c'est tout. Vraiment? Vous êtes sûr que personne ne la poursuivait? Ça, je n'y ai jamais pensé. Mais à propos, que faisait-elle à l'époque? Rien. Ah oui, c'est vrai, elle avait déjà de la fortune. Oui, un peu. Et pourtant, elle n'avait pas encore hérité de son oncle. Non, il est mort il y a 2 ans. Dans un accident, je crois. Enfin, vous ne vous le rappelez plus? Oh, c'était en été, j'étais en croisière. Et quand je suis rentrée, Sophie m'a demandé de ne pas lui en parler tant elle était bouleversée. Oh, ça, il y avait de quoi. Son oncle s'est tué en voiture dans les Alpes, un accident horrible. Ah, oui, ça me revient. Oui, les freins ont lâché, ou quelque chose comme ça. Hein? Enfin, on n'a jamais su exactement. On a retrouvé la voiture carbonisée. Alors, pour Laurence, ça a été un choc terrible. Surtout qu'elle était seule quand c'est arrivé. Et moi, j'étais en Amérique. Elle se trouvait sur place, je crois. Non, elle était à Annecy. Oui, enfin, tout à côté. Mais, j'y pense, peut-être cet héritage lui a-t-il attiré la rancœur de quelqu'un de sa famille. Oh non, Laurence était la seule parente. Bon, alors ne cherchons plus dans cette direction. Quand vous l'avez connue, où vivait-elle? En Provence. Vous avez eu de la chance qu'elle soit à Nice, en même temps que vous. Oh, sa mère avait un studio qu'elle lui prêtait de temps en temps. Oui, mais cette conversation ne nous mène à rien. Contraire, Bertrand. Nous voyons beaucoup plus clair. Excusez-moi, je vais ouvrir. Oui, oui. Monsieur... Oui? C'est à quel sujet? Votre femme. Qu'est-ce qu'il y a, un accident? Non, tranquillisez-vous. Alors? Je m'appelle Richard Moreau, j'étais un grand ami de Laurence. Nous ne nous sommes pas vus depuis une dizaine d'années et il y a quelques jours je l'ai rencontré par hasard. Et que voulez-vous? La mettre en garde. Vraiment? Mais d'abord, pourquoi me dites-vous cela à moi et pas à elle? Oh, je lui ai déjà dit, mais elle ne veut pas m'écouter. Elle a certainement ses raisons. Monsieur, je vous en prie, j'ai l'air de plaisanter. Il s'agit de quelque chose de grave. Ça ne m'intéresse pas. Mais... D'abord, comment saviez-vous que ma femme est sortie? Mais je ne le savais pas. J'ai tenté ma chance. Il faut, monsieur. Comprenez? Il faut que quelqu'un puisse la convaincre de prendre des précautions. La gang a fixé rendez-vous à votre femme, mais ne laissez pas Laurence le voir. Bon, écoutez, ça suffit. Je vous prie de sortir. Ne vous fâchez pas. Au revoir, monsieur Fradier. Et bonne chance. Oh, Bertrand, j'ai tout entendu. Qu'en pensez-vous? Bon, j'ai l'impression qu'on veut nous faire fâcher, Laurence et moi. Mais cette histoire n'est pas claire et je vais appeler la police. Oh, est-ce que vous êtes sûr de ne pas faire une erreur? Ma décision, cette fois, est irrévocable. Oh, je souhaite que vous n'ayez pas tort. La conduite de Laurence est si troublante. Mmh.
va pas travailler? Mais, Laurence, enfin, nous venons à peine de terminer de dîner. Oh, ben, plus vite tu liras tes dossiers, plus vite nous serons ensemble. Mais c'est vrai. Surtout, j'en ai bien pour 2 ou 3 heures. Bon courage. Tu ne viens pas lire dans mon bureau? Non. Non, je préfère m'allonger. Bon. Bonsoir, ma chérie. Bonsoir. Où est mon manteau? Voilà. Oh, Sophie! Qu'est-ce que tu fais là? Je monte chez toi. J'ai de la chance d'être encombrée. Pas si fort. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Rien, mais Bertrand est un peu fatigué, il se repose. Oh, on va tout de même pas le réveiller parce que nous parlons dans l'escalier. Mais où vas-tu? Je vais chez une amie. Ah bon, laquelle? Oh, tu la connais pas. Oh, mais Laurence, voyons, tu sais bien que nous avons les mêmes relations. Je l'ai rencontrée en vacances. Voilà, je te laisse. Hein. Elle va s'inquiéter si je suis en retard. Mais tu es sûre que ça n'a aucun rapport avec les histoires des jours derniers? Mais non, tu rêves. À bientôt, Sophie. Bon, ben, je t'accompagne un bout de chemin. Non, mais c'est que je ne vais pas dans ta direction. Eh bien, justement, ça me fera faire une petite promenade. Mais écoute, remettons ça demain. Ce soir, je suis tellement pressée. C'est vous? Et qui est là? Laurence, ne t'en va pas, voyons, c'est Yvette. Viens, n'aie pas peur. C'est vous? Oui, je remplace Pierre Lagagne. Et pourquoi n'est-il pas venu? Dans ton intérêt, il était plus prudent que ce soit moi. Mais pourtant, au téléphone, il m'a dit qu'il avait eu tort de me soupçonner, que... S'il me rencontrait, il m'expliquerait tout. Oui, c'est moi qui lui ai conseillé de te raconter ça. Sans quoi tu ne serais jamais venue. C'était un piège. Mais pas du tout. N'essaie pas de t'enfuir, Laurence. Tu vois ce que j'ai dans la main? Lâche ce revolver. Non. J'ai hâte de parler, tu m'écouteras. De gré ou de force. Lagagne a perdu de nombreuses années de son existence à cause de toi. Non! Ça ne serait pas juste que tu roules sur l'or alors qu'il n'a pas un sou. Mais qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? 100 000 francs pour elle dépanner. 100 000 francs nouveaux, bien entendu. Pour toi, ça n'est rien. Et bien sûr, c'est à vous que je les verserai. Oui, ça m'ennuie, mais pour arranger tout le monde, je... Il vous faudrait peut-être aussi une commission. Tu vas t'en tirer à bon compte. Alors, en définitive, tu pourrais faire un petit effort. 20 000 francs, par exemple, pour me remercier de mon dévouement. Vous me dégoûtez. Paye. Et personne ne parlera de ça à ton mari. Bon, pour les échéances, comment s'arrange-t-on? Vous n'aurez rien et demain j'irai porter plainte contre vous tous. Fais attention à ce que tu dis, Laurence. Vous ne tirerez pas. Avant de venir, j'ai pris mes précautions. J'ai envoyé à mon notaire une lettre dans laquelle je lui raconte tout ce qui est arrivé. Je parle de Lagagne, de vous, de tout le monde. Je n'ai rien à me reprocher. Alors c'est là où vous vous êtes trompée. Réfléchis quand même, Laurence. Je te laisse jusqu'à demain soir. Mais où est la voiture? Oh mon Dieu, elle revient. Laurence, c'est moi, Sophie. Et que fais-tu là? Oh, j'avais peur qu'il ne t'arrive quelque chose. Comment as-tu su où j'étais? Parce que je t'ai suivi. Mais enfin, c'est pas possible. Et pourquoi? Je craignais que Bertrand ne le fasse et j'ai surveillé les voitures derrière moi. Il n'y avait personne. Quand j'étais là, la preuve. Je commence à voir clair. C'est toi qui es à l'origine de tout. Mais tu rêves! Pourquoi aurais-je fait ça? Et pour prendre ma place! J'aurais dû m'en douter depuis longtemps. Retire ce que tu viens de dire. Non! Bon, alors débrouille-toi toute seule, au revoir. Monsieur Fradier, je vous ai laissé un moment pour vous ressaisir, mais maintenant il faut que nous parlions.
Oui, monsieur le commissaire, je suis anéanti. Ça, la mort de Laurence m'a... d'affreux. Oui, je sais, je sais. Avez-vous découvert quelque chose? Quelques indices. Oui, ils sont insuffisants. C'est pourquoi j'ai besoin de vous. Alors, d'abord des questions de simple routine. Votre âge? 38 ans. 38 ans. Profession? Directeur technique. Bon. Pouvez-vous me dire si vous soupçonnez quelqu'un? Avant de vous répondre, j'aimerais être sûr que notre conversation restera entre nous. Ça, je ne peux rien vous promettre, mais je tâcherai. Je vous en remercie. Voici. Récemment, plusieurs personnes ont cru reconnaître en Laurence une femme qui s'appellerait Laurence Calliope. C'est Madame Fradier qui vous en a parlé? Oui, et cela semblait la bouleverser. Pour quelle raison? Eh bien, elle avait l'impression que cette femme avait une vie agitée et qu'elle s'était fait beaucoup d'ennemis. Vous-même, avez-vous rencontré ces personnes qui se trompaient sur l'identité de Madame Fradier? L'une d'entre elles, oui. Un homme d'une quarantaine d'années. Vous connaissez son nom? Oui, Richard Moreau. Il est d'ailleurs venu le jour du meurtre. Pourquoi? Il voulait me prévenir qu'un certain Pierre Lagagne en voulait à Laurence. Et bien entendu, votre femme n'en avait jamais entendu parler. Ah, si, celui-ci, elle le connaissait. Tiens, depuis longtemps? Oh, bien avant notre mariage. Il s'était revu depuis? Ah non, jamais. Mais pourquoi en aurait-il voulu à Madame Fradier? Ah, alors ça, je ne sais pas. Vous auriez dû prévenir la police. Bien. Au début, j'ai eu peur que Laurence n'ait commis, comment dirais-je, des imprudences quand elle était jeune. Et, alors, je n'ai rien fait. Mais hier, après la visite de Moreau, la situation m'a semblé différente. Pourquoi? Eh bien, il m'a fait très mauvaise impression. C'est alors qu'il fallait nous appeler. Mais je l'ai fait. Comment? Oui, j'ai eu le commissaire Valorbe au téléphone. Et nous avions rendez-vous ce matin. Mais si vous aviez des craintes, pourquoi n'avez-vous pas empêché votre femme de ressortir hier soir? Mais elle m'avait dit qu'elle allait se coucher, moi je l'ai cru. Ah, elle vous mentait souvent? Ah, avant jamais. Avant quoi? Avant son voyage à Châteaurnard. Il y a longtemps? Non. Non, elle y est allée sans me le dire. Et d'après ce que j'ai compris, elle y rencontrait une femme qui, elle aussi, l'a prise pour cette Laurence Calliope. Vous savez son nom? Ah, non. Bien. Où étiez-vous hier soir? Chez moi, dans mon bureau. Seul? Oui, je travaillais. Ça vous arrive souvent? Oh, deux ou trois fois par semaine. Quand vous êtes-vous rendu compte de l'absence de votre femme? 9h30. En allant vous coucher? Mais non, je n'avais pas encore terminé de travailler. Alors? Sophie Delmont, une de nos amies, a appelé Laurence au téléphone. Tiens. À quel sujet? Ah ben, je ne sais pas. Alors j'ai été dans notre chambre et quand j'ai vu que le lit n'était pas défait, j'étais très inquiet et c'est à ce moment-là que j'ai appelé la police. Ensuite? Ben, ensuite, je suis allé voir si la voiture était au garage et comme elle n'y était pas, je vous ai retéléphoné. Après être remonté du garage, qu'est-ce que vous avez fait? J'ai continué d'attendre et puis Sophie Delmont m'a rappelé pour savoir si Laurence était en fin de retour. Oh, mais c'est une amie très attentionnée, dites-moi. Oui. Et elle était inquiète, car elle était au courant de tout. Ah, c'est intéressant, ça. Autre chose... Je vous écoute. Oui, enfin, excusez-moi d'être un peu brutal, monsieur Fradier. Est-ce que votre femme menait une vie agitée? Oh, absolument pas. Vous en êtes sûr? Enfin, nous formions un ménage très uni, ça tout le monde vous le dira. Bien, 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 bien. Revenons-en à Sophie Delmont. C'est une amie vraiment sincère. Non, je l'ai cru pendant longtemps. Ah, vous avez changé d'avis? Non, pas exactement, mais... J'ai quand même été un peu choqué par son attitude. Qu'est-ce qui est arrivé? Elle a essayé de me faire partager ses doutes sur le passé de Laurence. Alors ça, je... Ah, mais en somme, elle n'hésitait pas à l'accabler. Elle prétendait que c'était pour m'aider à découvrir la vérité. Évidemment. Quand votre femme a-t-elle fait sa connaissance? C'est moi qui les ai présentés. Ah bon?
Vous la connaissiez donc avant votre mariage? Oui. Qu'est-ce qu'elle était pour vous? Une simple amie. Elle n'aurait pas aimé être davantage? Écoutez, c'est difficile à dire. Vous avez peut-être raison. N'aurait-elle pas profité des menaces de ce Lagagne pour tuer votre femme et faire croire qu'il l'avait assassinée? Non, c'est pas possible. Vous y avez pensé quand même? C'est-à-dire... Oui, mais... Non, j'arrive pas à y croire. C'est... Bon, puisque nous évoquons toutes les possibilités, il ne faut pas en exclure une autre. Laquelle? En admettant que ce que l'on racontait de votre femme soit vrai, vous avez pu vouloir vous venger? D'abord, je suis incapable de commettre un crime. Mais si je m'étais laissé aller... C'est évident que j'aurais tué Laurence dans un moment de colère, peut-être. Je suis mort. Oui, vous n'avez pas d'alibi, n'est-ce pas? À vrai dire, je ne sais pas à quelle heure Laurence a été tuée, mais quand Sophie a appelé, j'étais chez moi. Mmh. Et puis nous n'avons qu'une seule voiture. Alors, je ne vois pas comment j'aurais pu me rendre là-bas. Allô? Ah, c'est pour vous, monsieur le commissaire. Ah, merci. Oui. Comment? Ah, il n'y a aucun doute sur l'écriture. L'expert est formel. Formel. Bon, merci. Votre femme, avant sa mort, avait écrit à son notaire et elle confirmait point par point tout ce que vous venez de me dire. Voilà. Malheureusement, elle ne donne aucune explication. Mademoiselle Sophie Delmont? Oui. Bon, entrez, commissaire Terram. Entrez, je vous en prie, asseyez-vous. Merci. Bien, vous savez pourquoi je veux vous voir? Oui, je l'imagine. J'enquête sur la mort de Madame Fradier. Oh, cette pauvre Laurence. C'était ma meilleure amie. Vraiment? Oui. C'est pourtant vous qui avez mis Monsieur Fradier au courant des ennuis de sa femme. J'ai cru bien faire. En la dénonçant. Mais au contraire, en faisant en sorte que son mari puisse la protéger. Mmh. Ça ne servit à rien. Voyons, qu'est-ce que vous avez fait le soir du meurtre? Je me suis couchée très tôt. Vers quelle heure? Tout de suite après le dîner, vers 8 heures environ. 8 heures? Et ça vous arrive souvent? Bon, c'est-à-dire, quelquefois, quand je suis très fatiguée. Et le soir du meurtre, vous étiez très fatiguée? Oui, j'avais eu une journée épuisante, des visites, des courses. C'est ça. Personne ne vous a téléphoné vers 9h? Non, je ne crois pas. Comment ça, je ne crois pas? Vous n'en êtes pas sûr? Non, je me suis endormie immédiatement et j'ai un sommeil très profond. Et la maison s'écroulerait que j'entendrais rien, alors la sonnerie du téléphone, vous comprenez? Oui. Voyons, plus tard. Plus tard, vous n'êtes pas ressorti? Mais, commissaire, je viens de vous dire que j'ai dormi à point fermé. Alors, ce n'est pas vous qui avez téléphoné à M. Fradier? Ah, si. Ah, si. Hein. Quelle heure était-il? Ah, je ne sais pas. Je me suis réveillée brusquement. J'avais eu un cauchemar. Qu'est-ce que vous vouliez dire, Mme Fradier? Oh, j'étais tellement impressionnée par ce mauvais rêve que j'ai éprouvé le besoin d'en parler à quelqu'un. Quand vous avez eu M. Fradier, que vous êtes-vous dit? Oh, presque rien. Il est allé dans la chambre de Laurence et quand il a constaté qu'elle n'était pas là, il a raccroché pour appeler la police. Étant donné les événements des jours derniers, il était très inquiet. Moi aussi, du reste. Bon, Madame Fradier aurait pu aller se promener. Oh, non, pas à cette heure-là. Bien, je croyais que vous ne saviez pas l'heure qu'il était. J'ai supposé que j'avais dormi longtemps. Ah. Oui, tout cela est curieux, car votre concierge m'a affirmé qu'elle vous avait vu sortir après le dîner. Oh, mais c'est de la médisance. Oh, ça, je ne vois pas en quoi. Parce que c'est faux, un point c'est tout. Vous n'êtes pas en bon terme avec votre concierge. Elle me déteste, simplement. Hein? Pourtant, elle me dit le plus grand bien de vous. Mais... Arrêtez de vous moquer de moi. Ça pourrait vous coûter très cher. À quelle heure précise êtes-vous sorti? Ah,
Vous voulez parler du petit tour que j'ai l'habitude de faire après le repas? Oh, oui, j'y pensais même plus. Où êtes-vous allé? J'ai marché comme ça au hasard. Dans quelle rue? Autour du pâté de maison, je sais plus, moi. Comme je vous l'ai dit, j'étais très fatiguée, j'ai pas fait attention. Bah, il faudrait que vous fassiez un petit effort, parce qu'un témoin digne de foi vous a vu devant la maison des Fradiers. Mais lorsque... C'est indiscutable. Oui, en fait, vous avez raison, j'ai été jusque-là. Ben voilà. Et vous n'avez pas rencontré votre amie? Si, je l'ai juste aperçue, elle sortait de chez elle. Seule? Oui. Son mari n'était pas avec elle? Non, il était resté chez lui. Vous en êtes sûre? Oui, elle m'a fait taire pour ne pas le déranger. Ah, donc ça veut dire que vous êtes monté chez Madame Fradier? Mais c'est-à-dire... Non, je l'ai rencontré sur le palier. Voilà. Hein. La mémoire vous revient. Ça est mieux pour vous, car les faux témoignages sont punis par la loi. Bon, écoutez, je vais tout vous dire. Moi, je ne voulais pas salir la mémoire de Laurence. C'est pourquoi je ne voulais pas parler de cette rencontre. Eh bien, je vous écoute. Laurence m'a empêché de voir son mari. Elle paraissait très pressée. J'ai compris qu'elle avait rendez-vous. Vous l'avez accompagnée? Non. Elle a refusé. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Je suis rentrée chez moi. Directement? Oui. Quelle heure était-il? Il n'était pas très tard. 11h30, par exemple? Mais c'est faux, vous mentez! Mais pourquoi vous fâchez-vous? Je ne fâche pas, mais il était beaucoup plus tôt que ça. Votre concierge vous a vu rentrer à cette heure-là? Eh bien, elle se trompe! Non! Non! Non, car elle regardait une émission qui s'est juste terminée quand vous êtes passé devant sa loge. Vous étiez sorti en voiture? Non, elle était au garage depuis quelques jours pour des réparations. Elles étaient terminées hier matin et vous le savez. Eh bien, c'est pas une raison pour que je m'en sois servi. Non. Non, mais je l'ai fait examiner, il y avait encore des gouttes d'eau sur les vitres et sur le toit. Alors vous savez à quelle heure il a commencé de pleuvoir hier? À 23h. C'est-à-dire à l'heure approximative où Madame Fradi a été assassinée. Vous dites plus rien, hein? Excusez-moi. Alors, oui, Citerane, oui. Quoi? Vous êtes sûr? Non, vous l'avez interrogé? Où est-ce qu'on a vérifié? Aucune erreur possible. Je vous remercie. Je viens d'avoir une nouvelle capitale pour l'enquête. Oh, tant mieux. Pierre Lagagne habite à 500 km d'ici. À l'heure du crime, il était à une soirée chez des amis. De plus, il vient de se marier et ne semble plus s'intéresser à votre ami. Mais alors, ça veut dire... Qu'en aucun cas, il ne peut être accusé du meurtre. Voilà. Il ne reste donc plus qu'une hypothèse. Et laquelle? Je vais vous la dire. Vous avez suivi votre ami jusque dans la forêt. Et vous l'avez abattu. C'est faux! D'abord, je ne possède pas de revolver. Mais comment savez-vous qu'elle a été tuée d'une balle de revolver? Mais... j'imagine. Vous imaginez. Et n'insistez pas, vous venez de vous trahir. Allons. Vous avez tout intérêt à avouer. Mais je suis innocente! Ce n'est pas mon avis! Expliquez-vous. Eh ben oui. J'ai suivi Laurence. Ah. Et de loin, je l'ai vaguement distinguée en train de parler à une femme. Et elle a fait quelques mètres et on a tiré sur elle. Et je me suis aussitôt précipitée, mais quand j'ai vu qu'il était trop tard, j'ai perdu la tête. Pourquoi? J'ai eu peur que l'assassin revienne. Je me suis enfuie pour retrouver ma voiture. Vous voyez bien que mon attitude ne ressemble en rien à celle d'une coupable. Mais de plus, j'ai aucun mobile. Aussi. Et c'est justement parce que vous en avez un de choix que vous n'avez pas prévenu la police. Alors ça, j'aimerais savoir lequel. Vous n'avez pas tellement d'argent et Madame Fradier était très riche. Vous deviez la jalouser un peu. Oh, alors là, si vous n'avez que ça comme argument. Non, attendez. Que pensez-vous de Monsieur Fradier? C'est un homme remarquable, que j'ai toujours... Que vous aimez. Osez dire le contraire. Vous n'avez pas le droit. J'ai noté que vous ne disiez pas non.
Mais ce n'est pas une raison pour tuer, ça. Malheureusement, si. Un instant, s'il vous plaît. Veuillez entrer, monsieur Pradier. Oh, Bertrand. Monsieur Pradier, connaissiez-vous les sentiments que vous porte mademoiselle Delmont? J'avais bien deviné qu'autrefois... Oui, mais depuis mon mariage, j'imaginais que c'était terminé. Vous êtes gravement trompé, monsieur Fradier. Mais alors, monsieur le commissaire, c'est elle qui... Oui, j'en suis persuadé. Non, c'est faux! Écoutez, c'est pas possible. Sophie n'aurait jamais fait cela, monsieur le commissaire, c'est sûr. Je suis persuadé que le vrai coupable, c'est Lagagne. Ou Richard Moreau, ou cette femme qui... Comment, Yvette Parmont. Ce sont peut-être des complices, sauf Lagagne. Car lui, je sais maintenant qu'il est innocent. Qu'en pensez-vous, mademoiselle? C'est ridicule. Alors vous êtes la seule coupable. C'est toi? Mais tu es folle de venir ici. Oh, Bertrand, mon chéri. Oh, je ne pouvais plus me passer de toi. Écoute, il est préférable que nous ne nous voyons pas pendant quelque temps. Mais pourquoi? Mais tu es inconsciente. Mais pas du tout. Enfin, tout à l'heure au téléphone, tu m'as bien dit que le commissaire allait arrêter ton amie Sophie. Oui, mais elle n'a pas encore avoué, et pour cause. Oh, mais tout est contre elle, il n'y a aucune chance pour qu'on la croie, elle sera condamnée. Oh, tu vois, tout s'arrange. Mais si le commissaire te trouvait ici? Eh bien, je suis une amie de la famille. De toute manière, il ne pourra faire aucun rapprochement entre moi et la mystérieuse Yvette Parmont. On ne sait jamais. Oh, mais enfin, mon chéri. Enfin, personne ne nous a vus ensemble. Et au café, en Avignon? J'avais des lunettes de soleil et un chapeau à large bord. Oui, enfin, bon, admettons. Mais j'aimerais que tu ne viennes pas ici pour l'instant. Tu crois, par toi, on pourrait remonter jusqu'à ton frère. Mais non, aucun danger. Le commissaire n'en a entendu parler que sous le nom de Richard Moreau, alors... Oui, mais lui, Sophie l'a vu. Hein, et s'il y avait une confrontation... Mais non, c'est impossible. Il est loin maintenant. Et le soir du meurtre, il a fait en sorte d'être vu par beaucoup de gens. Son alibi est parfait. Écoute, je préfère prendre le maximum de précautions. Enfin, mon chéri, comme tu veux. Et dis bien à ton frère qu'il a intérêt à être raisonnable. J'en sais trop sur lui. Je le tiens, tu sais. Avec la somme que tu lui as promise. Ah oui, tiens, à ce sujet. Insiste bien auprès de lui pour qu'il ne fasse pas de dépenses extravagantes. On est si près de réussir que je ne voudrais pas qu'il gâche tout par une imprudence. Enfin, mais nous avons réussi. Mon Dieu. Bah, ne fais pas cette tête-là. C'est peut-être la concierge. Va ouvrir. Oui. Vous, monsieur le commissaire? Oui, il y a du nouveau en ce qui concerne la mort de votre femme. Ah, Sophia a avoué? Justement pas. Ah, je vois que vous n'êtes pas seul. Oui, une amie de Laurent. Monsieur le commissaire, je vais vous laisser. Je voulais simplement vous redire toute ma sympathie, monsieur Fradier. Restez donc, madame, si vous voulez connaître l'identité de l'assassin. Ah, parce que vous... Oui, je sais qui a tué. Et vous aussi, monsieur Fradier. Mais oui, puisque c'est vous. Oh, non, c'est insensé. Laissez-moi vous expliquer. Vous avez une maîtresse que vous désirez épouser, mais vous ne voulez pas perdre pour autant la fortune de votre femme. Oh, non, mais c'est une pure invention. Je vous en prie. Vous décidez donc de la tuer, et vous savez que trois faits peuvent vous être utiles pour mettre au point une machination. D'abord, votre femme n'a conservé aucune relation parmi les gens qu'elle connaissait avant votre mariage. Ensuite, elle ne parle jamais de cette période. Enfin, elle a eu un grave accident qui aurait pu lui laisser des séquelles. Alors, vous vous assurez la complicité de votre maîtresse et de son frère. Mais enfin... Ça vous a été très facile. Elle est ambitieuse et lui est un homme dénué de scrupules. Vous devez savoir beaucoup de choses compromettantes sur lui. En un mot, vous le tenez. Alors, vous dressez votre plan. Sous le nom de Richard Moreau, il verra votre femme lorsqu'elle sera avec une amie. Il faut en effet que vous ayez un témoin pouvant affirmer que Madame Fradier avait une vie agitée et mystérieuse. Aussi, après le meurtre, on recherchera tout naturellement le coupable dans son passé et personne ne pensera à vous accuser, vous, le mari. Ça, je le reconnais, c'était très astucieux. Oui, mais c'est faux. J'aimais Laurence. Laissez-moi achever.
Le frère de votre maîtresse se fait également passer au téléphone pour Pierre Lagagne, et votre plan réussit au-delà de vos espérances. Vous n'avez aucune difficulté pour attirer votre femme à l'endroit que vous avez choisi pour la tuer. Mais, au dernier moment, vous avez à faire face à un événement imprévu. Sophie a suivi Madame Fradier. D'abord, vous espérez qu'elle sera la suspecte idéale, mais si, en définitive, la police ne la soupçonne pas, il faudra qu'elle devienne votre alliée involontaire. Alors, vous avez une idée très intelligente. Comme vous vous êtes rendu à ce rendez-vous avec votre maîtresse, vous lui demandez d'aller parler à votre femme et de faire en sorte que Sophie Delmont le remarque. Ainsi, lorsque cette dernière sera appelée à témoigner, elle dira en toute bonne foi que c'est une femme qui est coupable. Oh, c'est horrible. Oh, ma pauvre Laurence. Oh, mais comment avez-vous pu faire ça, Monsieur Fradier? Oh, madame, je vous en prie, ne perdez pas votre temps à jouer la comédie. Si je fais une confrontation générale, vous finirez bien par avouer que vous êtes celle qui s'est fait appeler Yvette Parmon. Ah, mais je vous attaquerai! De toute manière, monsieur le commissaire, vous n'avez aucune preuve de ce que vous avancez. Ah, ça, vous pensez que je n'agis pas à la légère, hein? Et la preuve, c'est vous-même qui me l'avez fournie, monsieur Fradier. Oh. Oui. La première fois que je vous ai rencontré, vous m'avez affirmé que vous ignoriez le nom de la femme que Madame Fradier avait rencontrée dans le midi. Or, par la suite, vous m'avez parlé d'Yvette Parmon. Ah. Vous ne répondez pas. Oui, c'est vrai. J'étais au courant. Mais c'est elle qui a tiré. Oh. Non, mais c'est toi l'assassin, Bertrand! Enfin, n'essaie pas de tout me mettre sur le dos. Je jure que c'est elle qui a tiré. Mais, enfin, monsieur le commissaire, je ne me suis jamais servi d'une arme à feu. Ben, il me sera facile de prouver que tu es un excellent tireur, d'abord. Je vous crois, madame, je vous crois. Mais veuillez me suivre. Tous les deux.